Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 124 de Stage 1. Et aujourd'hui, nous allons jouer aujourd'hui à un jeu bien pourri. Voilà. Tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Un des plus mauvais jeux de course que j'ai jamais joué. Pour lequel d'ailleurs, je fais un test parce que il a été noté déjà 2 sur 20 sur jeuxvideo.com. Donc voilà, vous voyez les différents modes. Et c'est un des plus mauvais jeux que j'ai jamais vu. Franchement, je ne sais pas comment on peut vendre ce genre de jeu. Donc voilà, alors on va commencer, on va faire la première course. On va prendre la première voiture qui nous tombe sous la main, par exemple celle-là. J'en sais rien, voilà, skin. On change un peu pour la faire un peu jolie. Mais ça ne sert à rien. Vous allez voir, quoi que vous preniez comme voiture, ce sera dégueulasse. On choisit un perso, une femme, voilà. Femme au volant, mort au tournant. Ça c'est dit, on continue. Alors, ce jeu, alors le chargement est dégueulasse, hein, ouais, le chargement en lui-même est même pas fluide. Je vous dis pas la suite. Regardez, ça ne charge pas et ça va commencer comme ça. Hop, la musique se lance, voilà, magnifique, totalement magnifique. Il n'y a pas d'histoire, que dalle, il n'y a pas une seule cinématique. En général, sur ce genre de jeu, vous avez au moins soit quelqu'un qui vous dit comment on joue en l'oral, ou une petite cinématique. Non, là, que dalle. Ouais, des trois suburbs, ils présentent la map. Bon, ça encore, ça va, on peut leur permettre ça. Les graphismes ont l'air pas dégueulasse comme ça d'un point de vue, mais en fait, vous allez vous apercevoir. Attention, c'est parti. La grosse merde commence. Regardez, attention, ça va pas tarder. Voilà, ça commence bien. Vous voyez, tout est parti en couille. Regardez les voitures qui rebondissent comme des sur des trampolines. Moi, j'essaye d'avancer avec ma voiture qui avance. Je ne sais pas comment, je ne sais pas à quoi il nourrit mon moteur, à peine j'appuie, je pars à 10 km. Regardez, j'essaye de diriger ma voiture, je conduis normalement sur une ligne droite, je n'y arrive pas. Ah, con. Alors, là je suis dernier évidemment. Hein. C'est un peu compliqué, faut que je donne des petits coups d'accélérateur de temps en temps. Cette voiture, c'est déjà elle-même, c'est de la merde. Normalement, ça fait pas ça. Alors là, c'est peut-être la voiture qui fait ça. J'ai de la peine à avancer. Vous voyez les graphismes dont on parlait tout à l'heure, bah c'est fini, hein, c'est fini, ils sont tous dégueulasses. Hein. Ah bah voilà, ma voiture, il y a eu un bug graphique, je sais pas, j'ai touché un arbre, presse R to respawn. Voilà, on respawn, on recommence. Attention, oulala ma voiture. Attention, elle a fait un bond magnifique. Hop, regardez-moi ça, c'est beau, oh c'est magnifique. On tape un mur, qu'est-ce qu'on se passe? Oh, la voiture est montée. Oh, tout à fait réaliste mon cher. Alors, oh là là, menu magnifique. J'essaye de tourner, je n'y arrive pas, évidemment, le contrôle des voitures est à chier. Quand j'essaye de me diriger, c'est la merde, elle glisse, elle ne fait que ça, on dirait qu'on roule sur de la glace. Ah, quand, regardez, hop là, ils ont pris un raccourci, mais je sais pas, oh là là, ma voiture s'envole. C'est, oh là, c'est super, elle brûle, je me suis fait, oh, qu'est-ce qui se passe? Ma voiture est en train de cramer. Est-ce que je vais? Eh ben non. Voilà, je n'ai pas fini la course, la course est terminée, je n'ai pas pu la finir, j'ai détruit ma voiture avant. On avait fait un tour, hein, peut-être deux, non, peut-être un tour et demi, je sais plus, j'ai pas remarqué tellement qu'on s'est amusé. Alors, on va choisir une autre voiture, parce qu'on va refaire la même course, mais avec une voiture différente, celle que j'avais pris pour faire la première fois que j'ai joué, et j'ai badé, parce que là, vous allez vous apercevoir que la voiture, c'est pas du tout la même chose. Le contrôle est totalement différent, cette voiture ne va pas accélérer comme une folle. Alors attention, ah là c'est parti, la musique vous voyez qu'elle a démarré toujours un peu avant. Attention, ça va partir en couille, attention, voilà, c'est parti en couille, les trois quarts des voitures sont restées derrière, il y en a qui font des tonneaux, on vient juste de passer la ligne d'arrivée, c'est magnifique. Alors, la voiture j'arrive mieux à la contrôler celle-là, parce qu'elle n'a pas des accélérations de fou. Cela dit, c'est pas sûr que j'arrive mieux à y arriver, ah ta putain de merde. Alors, on va essayer. Regardez-moi ça. Oh, con. Regardez, elles se touchent entre elles. Regardez, je l'ai à peine touché. Elle est partie à 10 km. On pèse une plume. Nous sommes des sacs de plumes. Alors, pour l'instant, j'arrive à garder le contrôle. C'est pas mal. Ça va pas durer. Je tourne. Alors, attendez, je viens de faire 100 mètres sans me vautrer. C'est pas mal. Oh. Oh là là. Oh là, il y a eu un tremblement. Je sais pas. On m'a pas touché. Par contre, ma voiture, elle a volé. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme moteur graphique. Ni les moteurs de collision. Mais c'est du. Regardez, elle est passée devant moi, je sais pas pourquoi elle a foncé à droite. Oh là là, je roule sur les murs, normal. Hop, j'ai à peine effleuré l'arbre que je tape ma voiture comme un fou.
Alors que non, remarquez, on est en train de... On décapite des poteaux en passant, mais des arbres, non, hein. C'est trop dur. La voiture, elle pile devant. Et elle s'éclate en se regardant. Il m'a touché sur le côté. Un con. Je veux juste rouler normalement et essayer de pas... Alors, je sais pas, c'est quoi? C'est un jeu de course normal? C'est pas non plus un stock car que je suis en bas là, j'ai pas encore perdu. Ok, dans les 4 roues, y'a plus rien du tout. J'ai juste tapé un petit peu, pas très vite. Alors, on va y essayer. Allez, on repart. Regardez, attention, ça va partir en couille dans 2 secondes. Alors, je m'éloigne un petit peu parce que. Il suffit que les autres, on va dire, accélèrent. Elle touche un peu la voiture de devant. Et là, mais oh là là, oh putain, oh le moteur graphique, il s'emballe, c'est fini. On part en sucette totale. Hop là, presser to respawn. J'ai éclaté ma voiture contre un arbre. J'étais à 2 km. C'était super. Franchement, oh, il y a des checkpoints. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, parce qu'on va s'intéresser un minimum au jeu. Donc là, bah, le but est clairement de finir premier. Encore faut-il arriver entier. J'ai pas réussi à finir de course. Encore, c'est pas encore ça. On va essayer d'y aller tout doucement. Ouh là là, oh putain de merde. Ah, la voiture, elle part en moins de 2 secondes. Elle part. Oh, ça c'est magnifique. J'ai une voiture qui vole. Ah, c'était. Faut avouer que c'était beau quand même. Là, j'ai fait un joli décollage. Franchement, j'aurais pu marquer en gros sur le côté Airbus 380. Ça aurait marché, mais impec. Hop là, allez casser. C'est super magnifique. Alors, on va changer de course cette fois-ci parce que c'est pas que ça commence à être de la merde. Mais un petit peu, on va prendre, attendez, vous savez que j'en avais vu, il y en avait une deuxième, parce que là j'ai pas réussi à finir la première, voilà, on va prendre celle-là, et on va prendre cette course-là, on va garder la voiture, on va prendre le mec, on s'en fout, et on y va. Ah, ouais, espérons que cette course sera peut-être mieux, hein. Moi je parierai pas, hein, à vue de nez, ça sent le fion comme tout à l'heure, hein. Alors la musique se lance, voilà, alors ça charge vite, hein, mais en même temps, vu la merde que c'est, il n'y a pas besoin de charger grand-chose. Attention, j'essaye de me faufiler. Oh, ça part en couille déjà. Oh là là. Alors, je vais ici. Non. Ah bah, je viens de casser ma voiture contre un tronc d'arbre. Voilà, ça commence bien. Hop, on est reparti. Hop, hop. Je passe les barrières de sécurité. Je sais pas par où ils sont passés les autres, mais c'est pas grave. Ils ont pris un raccourci sûrement. Alors là, on a l'air d'avoir des routes un peu plus droites que tout à l'heure. C'est pas encore gagné. Hop là. Oh, je suis premier. Ah non, non, non. Je suis 5 sur 16ème. On est 16 quand même. Ils sont loin déjà les autres. Ils sont très forts parce qu'en plus d'être chiant ce jeu, et ben vous avez des ennemis qui sont super forts. Regardez, je viens de monter contre un mur. Est-ce que cela est possible en tapant contre un mur de rouler dessus, de monter? Non, non, je ne crois pas que ce soit cela possible. Je n'essaierai pas avec ma voiture en tout cas, ma pauvre Clio. Je suis pas sûr que elle en fasse autant. Et la voiture, regardez, elle roule toujours aussi bien. Hein. Le moteur va bien, le conducteur. Ah dommage qu'on le voit pas mieux que ça parce que il doit être un peu apeuré quand même. Il doit avoir peur, il doit se chier dessus. Je viens de toucher un petit bord, j'ai complètement vautré ma voiture, c'est super. Voilà. Remarquez qu'elle a une accélération assez énorme. En 2 secondes, on fait du 200 km/h. Tout à fait. Oh, elle a presque du 300. On est. Oh là là, j'ai touché. Bah oui, effectivement, là j'ai encore cassé ma voiture. On va essayer de recommencer la course. Encore une fois. Hein. Bon. Alors, je suis dernier. Évidemment. En plus d'avoir perdu, j'étais dernier. Voilà, 15 sur 16, on va essayer de passer un peu plus sur la gauche cette fois-ci. Eh ben non, on a été tapé par une voiture, on est dernier. Enfin, ah oui, ça y est, là. Ah, on est encore dernier. Mais c'est pas grave, on continue, on est fou, on rit, c'est la fête. Ça fait 16 secondes que ça a commencé. Hop là, j'ai frôlé la voiture, là je lui ai roulé dessus. Mais c'est pas grave, tout va bien. Alors ils font semblant de donner des coups de frein à les autres voitures, mais... Mais je crois pas sûr que ce soit très utile. Moi, je donne pas de coup de frein. Ok, je viens de me manger un poteau. C'est super. Alors, remarquez qu'il y a de l'eau à côté. Je crois bien qu'il y a de l'eau. Est-ce qu'elle est bien faite, l'eau? Je la vois pas tellement. Ah, j'ai encore un poteau. Mais oui, tout à fait. Bon, là, c'est moi qui sais pas rouler. Mais de toute façon, dans tous les cas. Oh là là, ma voiture, elle s'est envolée. Ah, j'ai accéléré ma voiture. Elle a levé l'arrière. Franchement, je savais qu'on pouvait faire ça en moto. Mais alors. Enfin, en moto, en plus, c'est avec l'avant que je raconte de la merde. Voilà. Yep, un checkpoint. On va essayer de pas finir trop dernier. On est 10ème, c'est magnifique. Oh là là, je suis monté par-dessus la butée. C'est parfait. J'ai fait un jump de 29 mètres. Est-ce que vous avez vu 29 mètres entre le sol et moi? Je suis pas sûr. Il y avait marqué jump de 29 mètres pourtant. Voilà. Après, ils sont très forts. Voilà. Bon, je roule dans l'herbe. Je me suis trompé de route, évidemment. J'ai dévié de la route. Hop. Eh oui, de toute façon.
pour rester dans la route, il faut s'accrocher sévèrement, c'est quasiment impossible, voilà. Voilà, pour l'instant ça va, attention le virage, ouh j'ai ralenti, ouh la première fois que je ralentis dans ce jeu. C'est vrai que ça m'évite de sortir vraiment trop facilement, pourtant en même temps on fait du 300 sur les routes en terre, c'est sûr. Allez. Hop là, ouh j'ai frôlé la pierre, eh oui, quelle grave erreur, j'ai frôlé la pierre. Évidemment ma voiture est quasiment totalement détruite et elle est en flammes, évidemment. C'est tout à fait logique quand on y pense, hein, je suis trop bête. Ah, elle me fait des petits bons, voilà, 38 mètres, hein. Évidemment, oh, on m'a touché avec une boule. Alors, il arrive des conneries dans tous les sens. Vous vous ennuyez? Jamais. Si vous lâchez l'écran des yeux une seconde, vous êtes mort, c'est fini. Là, j'ai une boule, mais une boule de démolition. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Est-ce qu'il y a des engins de démolition dans le désert? Oh, je veux bien que ce soit une course, c'est bizarre. Surtout que j'ai fait un bond de 38 mètres juste avant. Regardez, hop, 32 mètres, mais oui. Mais oui, là, il y avait 52 mètres. Mais oui, ça se voyait. À moins que ce soit sur la longueur. Mais encore, la longueur, je suis pas sûr d'avoir fait quand même du 27 mètres. Hein. Alors, je veux bien qu'on ait une grosse voiture, qu'on roule très vite, qu'ils aient mal évalué les distances. Bon, là, j'ai encore perdu. Voilà, c'est super. On va pas aller plus loin. Ça commence à me saouler. Alors, on va faire comme ça. On va faire retour au menu. Et ce que je vous conseille à tous, c'est de, si vous avez acheté ce jeu, n'y jouez pas. Et si vous ne l'avez pas, ne l'achetez pas. Ou alors téléchargez-le illégalement, histoire qu'ils en refassent pas d'autres. Donc voilà, ce sera tout pour Flatout 3, un bon jeu de merde. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé, ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.